Coucou mes petits mandias, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser la figure appelée figure du hamburger. Mais juste avant de commencer le tuto, comme nous sommes bientôt à Halloween, je voulais vous informer que nous avions réalisé une vidéo de make-up, un make-up challenge avec Stéphane. Vous pouvez aller la voir juste ici. Allez, c'est parti, on commence. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre un petit commentaire. Go! Nous allons commencer la figure du hamburger, mais juste avant de commencer, je tenais à vous dire que vous pouvez accélérer ou ralentir mes vidéos dans les paramètres pour les mettre à la vitesse que vous souhaitez. On va donc commencer par mettre le fil au niveau du pouce, puis derrière le petit doigt en passant devant tous les autres doigts. On va faire la même chose de l'autre côté, donc derrière le pouce et derrière le petit doigt, et on tire. Avec le majeur, on va venir passer ici sous le fil. Avec le majeur, on va venir passer ici sous le fil qui se trouve entre le pouce et le petit doigt, et on va tirer. On va faire exactement la même chose de l'autre côté en s'assurant de passer entre les deux fils. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va venir travailler avec les pouces, et avec notre pouce, on va venir passer sous le fil qui se trouve juste devant le majeur. Donc, on va venir ici passer sous ce fil, et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va venir faire pareil avec les petits doigts. Ici, j'ai le fil qui passe juste après le majeur. Pareil, de l'autre côté, je vais venir passer mon petit doigt sous ce fil et faire la même chose avec le second petit doigt. Une fois que vous avez réalisé ceci, on a fait le plus dur. On va venir ici prendre le fil qui fait un peu comme une bague autour du majeur et le passer par-dessus le majeur. Tout simplement, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Et là, on va venir voir au niveau des pouces. Ici, on a deux fils. On va prendre le fil du bas et le passer par-dessus le pouce. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et au niveau des petits doigts, on fait la même chose, c'est-à-dire que le fil qui se trouve en bas du petit doigt, on va le prendre et le passer par-dessus. Et de l'autre côté, le fil qui se trouve en bas du petit doigt, on le prend et on le passe par-dessus, et on obtient la figure du hamburger. Je vais vous montrer une seconde fois comment réaliser la figure. Donc on place le fil au niveau des pouces et des petits doigts. On va travailler avec le majeur, le doigt le plus grand, on va le passer sous le fil qui se trouve entre le pouce et le petit doigt. On va faire la même chose en face. Hop. Avec nos pouces, on va passer sous les fils qui se trouvent ici, juste avant l'index. Je passe dessous et je ramène. On va faire la même chose avec les petits doigts, on passe dessous et on ramène. Simplement, je vous remontre une deuxième fois. Donc ici, j'ai mes fils qui se trouvent juste derrière le majeur, et je vais passer sous le fil avec le petit doigt et remettre mon petit doigt en l'air. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va regarder au niveau des majeurs. On a deux petites boucles. On va attraper cette boucle, puis la repasser devant le majeur. On va faire la même chose. Je l'attrape et je la repasse devant. Ensuite, on va regarder au niveau des pouces. On retrouve deux boucles. On va prendre celle du bas qu'on va passer par-dessus le pouce. On fait la même chose de l'autre côté. Et on va faire la même chose au niveau des petits doigts. On a une boucle en bas qu'on va repasser par-dessus le petit doigt. Et ici, on a une boucle en bas qu'on repassera par-dessus le petit doigt. Et notre figure du hamburger est terminée. Et voilà, j'espère que ce tuto Strings vous a plu et que vous avez réussi à réaliser votre hamburger. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également m'envoyer vos photos sur Instagram. Mon compte apparaît en barre d'infos. Et je vais maintenant passer aux dédicaces. Ne vous inquiétez pas si je ne fais pas votre dédicace aujourd'hui, c'est que ce sera pour la prochaine vidéo. J'en ai vraiment beaucoup, j'essaie de les noter au fur et à mesure, mais je ne peux pas tout noter tout le temps, et des fois je tourne la vidéo avant que vous m'ayez demandé la dédicace. J'arrête de parler et je commence, c'est parti. Donc dédicace à Cyrine Ben Salem, à Emilika, Maribelka,
Louisette Cacahuète, Amaf Kiri, Lola Maena, Assa Alwan, Owen V, Antonin Laforêt, Sarah Brunel, Nessa, Mohamed Barry, Anaïs, Stella, Kenpa Chiken, Lydia Mézidi, Stéphanie Ourselin, Lucie Jouvet, Adama Diallo, Eva, hashtag Petite Maline et Inès Bourbon. Voilà, je vous fais à tous plein de gros bisous. Encore une fois, abonnez-vous, activez la petite cloche, rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur Mandabu, puisqu'il n'y a pas que des vidéos strings, il y en a plein d'autres. Et je vous fais encore une fois plein de gros bisous, à bientôt pour le prochain tuto strings. Ah, j'allais oublier, demain il y a une nouvelle vidéo qui sort à 10h30 pour faire un dessin magique Halloween pour épater tous vos copains. Alors soyez au rendez-vous, donc demain à 10h30 sur la chaîne Mandabule. Bye.